Salut! Salut mamie, ça va? Ça va, est-ce que je peux passer aujourd'hui plutôt que demain? Donc. Ah, ça marche. Allez, à plus tard. Bisous. Voilà. Attends, vite, il faut que je change ma voix. Salut les gars, c'est Steve! Je l'imite très mal. C'est Steve, mais qui a perdu 32 neurones là, 100 même. C'est Steve version Guerre de l'été. Guerre de l'été, c'est la voix qu'il devrait avoir en fait. C'est pour ça qu'il a une voix modifiée, c'est parce que sinon il parle comme deux. Bonjour à tous, c'est Maxime, on se retrouve pour la suite d'Eternal Darkness! Voilà. Ouais, sans Steve, hein. Ouais, Steve, le jour il viendra et il nous posera. Quand c'est pas sur une critique de Marvel, hein. Non mais. Bon, je vais pas me plaindre. Bon, allez. Et précédemment, on était avec une. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Tu pleures? Quoi, t'es triste? Y a pas Steve? Même toi, ça t'emmerde? Putain. Bon, si on allait faire la sonate au clair de lune, à la vue du piano, Alex se rappelle l'histoire de Luther, les échos des notes jouées dans la cathédrale, résonnent aussi. Elle aussi, elle va se prendre pour Mozart d'un coup. Je vais vous faire la 9e symphonie de Beethoven, la partie 3. Vas-y, on est fou, vas-y, comme si elle était douée, voilà. Est-ce qu'Alex doit cheater un peu? Bon. Elle est quand même classe, hein, cette musique, hein. Merci, c'est gentil, voilà. Là, c'est ça, ce poster devant un public qui n'existe même pas. Merci, c'est génial, allez, on va à la cité interdite. Nous sommes ton plus grand cauchemar. Mais c'est pas gentil, merde, est-ce que moi j'insulte ta maman? C'est encore une histoire de pilier de merde. Mais vous en avez pas marre de. Putain, déjà Project Zero, maintenant celui-là, mais merde quoi. The Tome of Eternal Darkness mentions a Venetian artist and architect of the Mon Renaissance, dieu, Léonard de Vinci là. Mais oui, c'est maintenant on incarne Léonard de Vinci. Pourquoi pas? Mais allez, vas-y, il a aidé Ezio Editore dans Assassin's Creed 2. Allez, on y va, c'est parti, Monkey Game, vas-y, ouais. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Oh! Je vois pas très bien sur mes lunettes. Putain, mais Léonard de Vinci, il a vachement changé, hein. Tiens, il a trop bouffé McDo à midi. Franchement, c'est comme toi, Gérard. La construction, voilà, du nouveau temple sur ces ruines ne pourra commencer qu'une fois que vous aurez fini l'inspection, donc au boulot, connard! Les fondations de ce monument ont été jetées, mais elles ont souffert. Roberto doit inspecter le reste du complexe et déterminer si c'est suffisamment solide pour que les constructions continuent. Putain, je suis épuisé. Bon après, bonjour, salut, ça va? Salam alaikum, alaikum. Eh, salam alaikum, alaikum salam, je vais vous tuer, fils d'homme. Oui, Léonard, vas-y, maintenant il s'est converti à l'islam aussi, vas-y. Mais meurs! Tu veux pas mourir, toi? Putain. Non, mais vas-y. Je vais me faire un coup de poing. Parce que tu crois que... Putain, mais c'est quoi ces points de tapette? N'empêche, vous allez pas dire que je suis méchant avec Steve, hein. Je lui épargne quand même le pire personnage du jeu. Oui, parce qu'il est considéré comme le pire personnage du jeu, celui-là. Je pense que vous allez vite découvrir pourquoi, même si je pense que vous avez déjà quelques... prémices. Ezio! C'est toi, là! Que j'entends? Ezio! Ouah, putain! C'est quoi ce truc? Mais crève! C'est quoi cette merde, là? Crève, merde! Putain, mémé. Ouais, il m'a fait une de ses peurs, là! Il est mort? Ou pas? Je lui marche sur les couilles. Tu crois qu'il va le vivre? Est-ce que je dois essayer d'inspecter le secteur? Ici, la structure montre des signes de fatigue. Elle est plus du tout solide. Il faudrait la pousser sur l'autre mec pour qu'il meure. Voulez-vous faire ça? Eh les gars, ça vous dérange pas les monstres qu'il y a dans les sous-sols là? Non? Si? Ma Benito Denini. Hé!
et c'était rigolo. Non? Tu vas venir me taper? Tout est fou. Un vieux serif est abandonné sur Rapper, t'approches. Rapper, tu es un serif. Voilà, la voilà, la puissance de la ville ancestrale. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Eh ben, quand il n'y a plus de tête, on peut plus rien faire, là. Voilà. J'entends des voix dans ma tête, ça va pas très bien. Alors, je t'ai fait quoi si j'actionne ce levier? Ma putain! Mais c'est quoi ce délire? Mais dégagez mon... Ah! Dégagez! Dégagez! Ah putain, je suis pas familier du tout avec cette merde. Ah putain. Ah putain de merde. Dégagez! Je suis... Ah, je suis trop gros pour ces conneries. Tiens, voilà, meurs. Et toi, t'as plus de tête? Mais tiens, je suis là. Hé! Hé! Hé, là, je suis là. Hé! Allez, on y va. Voilà, il est mort. C'est qui est rigole? Et pourquoi je parle tout seul? Mais c'est qui rigole aujourd'hui? J'ai des voix dans ma tête. Et dégagez-vous. Ah putain. Eh mec, regarde ça. Voilà, ça fait mal, hein? Regarde, je vais t'en mettre les notes. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, franchement, je m'éclate. Attends, 2 secondes. Laisse-moi recharger un petit coup. Et si... Voilà. Je suis trop bon. Ah, Paul Luther. Ah, bon, ok, il avait l'air sympa, ce mec. Ah, bon, dirais-moi. L'ouvrier est surpris de voir Roberto. Il avoue être resté ici seul, trop lâche pour oser s'aventurer avec les autres dans le temple. Lorsqu'il a entendu leur cri, il n'a pas osé bouger. Eh, le lâche, j'ai envie de te tuer. Ah non, je vais te laisser, c'est plus rigolo. Allez, j'ai envie de te voir courir face au monstre. Bonjour. Ah, c'est quoi ce truc? Il a pas pu me l'avertir, l'autre con. What? Qu'est-ce qui se passe? Il a disparu, l'autre? Ah, mais j'ai rien compris, là. D'avouer, il y avait un monstre. J'ai pas vraiment bien compris qu'est-ce que c'était que ce délire. Mais bon, je vais aller me soigner un petit coup parce que là, je me sens un peu mal. Merci, au revoir, mais dégage. Il y a un toit qui s'est effondré, plein d'autres trucs qui me barrent le chemin, merde. Ah, c'est nul ça. Bon, bah, je vais aller monter l'échelle. Oh, des rats. Mais ils sont mignons, ces petits rats. Ah, mais il y a un monstre. Ok, bon, moi, je vais me casser, en fait. Hein. Hey, vailleux. J'ai mal. Bah, putain, c'est qui ce con-là? Il est un peu débile. Des cadavres déchiquetés jonchent le sol. Par endroits, leur chair a été dévorée, la composition a déjà commencé. Bah, ça s'est mal passé pour eux, hein. Et je peux pas les découper et en manger un peu? Ah, c'est pas très halal. Putain, tout est bloqué, merde! Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais c'est quoi? C'est des mini? Ah oui, c'est des mini-monstres! Et les mini-monstres! Ah! Oh putain, mais il y a papa en plus! La porte est fermée. Ah bah moi je vais m'en là, hein. Putain, il y avait papa squelette, il me faisait peur lui, hein. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous voulez me taper? Vous êtes con, vous! Moi je me casse, hein. Salut, à la prochaine, hein. Dégagez! Oh putain, ils me font peur, c'est con. Ah, oh, il y a un truc là, il y a une clé, voilà. Oh, ça a l'air sympa. Oh, il a l'air... Oh putain, bah, je vais les laisser s'affronter, hein. Moi, j'ai peur, hein. Moi, avoir peur. Punaise, mais les autres, je les ai laissés vivants et eux, ils voulaient me taper direct, hein. C'est des enfoirés, c'est des fils de maman. Ah, par contre, faut que j'aille où, là? Il y a un fossé continue de rocher de feu, se trouve. Tenez, ils cherchent une explication, mais ils trouvent aucune réponse. C'est prudent que j'aille dedans? Je sais pas. Moi, ça me plaît pas. Oh putain! Eh, la technique de « vas-y, suis-moi comme un débile !» Oh, j'aime bien cette technique de « suis-moi comme un débile !» pour pouvoir me le soigner. Elle est rigolote. Bon, faut que je lui coupe son bras. C'est ça le problème. Ah putain. Faut que je coupe son bras. Mais... Et son bras, il va se couper, là? Bon, ok. Attends. Suis-moi comme un débile, s'il te plaît. Meurs, pourriture communiste! Putain! Oh! Oh, on s'en fout de la description!
Vas-y, je veux le baiser, lui. Meurs. Putain. Putain de rien. Attends, je vais aller convoquer un zombie. Alors, ma... Eh, hey, les zombies, ça va? Tu es content? Une fois qu'un zombie a été convoqué, appuyez sur A pour attaquer un ennemi, cibler un ennemi, attaquer un ennemi pour accomplir l'attaque mordante, pour abandonner le contrôle des zombies, etc. Porte, mais pas ramasser les objets. Ah, salut le zombie, tu te barres? Tu sers à quoi en fait? Non, parce que j'essaie de récupérer cette clé, mais il y a jeuxvideo.com, c'est de la merde, voilà. IGN aussi, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller récupérer cette putain de clé. Tu sais pas, toi? Non? Bon, viens, on va faire un bisou. Ah! Ah, merci, c'est bien la voix. Bon, bah, je vais peut-être pouvoir utiliser ça, enfin, quand j'aurai à nouveau de la magie, parce que c'est vrai que j'ai plus beau de magie. Ah bah oui, il y avait des marches en fait, fallait que j'utilise le rouge. Bon, voilà, c'est bon. Ah, j'ai la clé, oui, du couloir qui est oublié. J'ai même oublié quel couloir c'était. Oh, c'est quoi ce truc? Il y a un effigie de saphir. Oh, mais c'est celle dans Noob. Ça représente un sorcier, il est fou le sorcier. Et ça c'est quoi? C'est... Ok, merci. Aïe! Ah, ça a marché. Bon bah je peux y aller maintenant. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai fait un petit tour de magie, hein. Voilà. Et tiens, il y a des trucs chelous ici, c'est quoi? Bonjour. Non, j'ai fait que passer, hein. Aïe, 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 aïe. Bon bah, au revoir. Bon, en vrai, je pouvais pas mourir, hein. Ça aurait été con, hein. Ça aurait créé un paradoxe temporel. Mais vous êtes qui? What? Assalamu alaikum, mon frère. Ah putain, mais je m'appelle pas Ashley. C'est Ashley l'élu. Aïe! Sans déconner. Ouais, bah t'avais bonne, hein. On peut se la partager. Mais non, reviens. Bah j'avais pas fini, merde. Bon bah je vais aller ramasser ce truc. Bah, je vais le revendre sur internet. Je vais avoir plein de pépites d'or. Tu crois que ça m'ira sur ma tête? Oh, je sens la magie destructrice. Oh, c'est cool. J'ai l'essence pour ma voiture et une effigie en rubis. Bonjour, est-ce que je... Ouais, bah je vais inspecter. Oh, ça semble un antique lieu de culte. Comme ça, il rapportait dans cela, les ravisseurs, Roberto. Ouais. Bon, y a pas moyen de remonter, je sais pas. Faut peut-être que je mette les statues, non? Ah, bah voilà, j'ai ouvert la porte. Bon, où est-ce que ça mène? Oh, mais c'est sympa, c'est une piscine, c'est ça? Ah, avec des lions. Ouais, c'est cool. Ça a trop la gueule. Ah, hey! Ah, ah! Regardez, j'ai même pas mal. Ah, je passe un champ électrifié. Bon, je vais avoir assez de bouboules. Oh, pile poil, il m'en reste une. Mais, attends. Ouais, ah, bah enfin. Voilà, j'ai réussi. Bon, j'ai grave pété le pont, mais ça va, c'est tranquille. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah moi j'ai peur, au revoir, hein. Moi je me casse, hein. Je vais activer le levier. Oui, je vais activer le levier. J'ai peur. Attends, je vais inspecter le secteur. Bah, c'est trop dangereux pour le moment. Attends, alors, dégage. C'est bon? Comment ça, il est trop dangereux? Mais je les ai eus. Ah, bah voilà, ça s'effondre un peu partout. Bon, bah voilà, j'ai fait mon boulot, ben je rentre, hein, je vais toucher mon salaire. Qu'est-ce qui se passe, merde? J'entends des boules bizarres. Ah, ça me dit rien qui vaille. J'ai peur pour mes miquettes. Ah! Ah bah, mes miquettes avaient raison. Putain, qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien! Bon, enfin, tout va péter, en fait. Putain, il y a des monstres partout. Vous avez au moins vérifié. Si ça se trouve, c'est bâti sur un ancien cimetière indien. Ouais? Comment ça? Mais vous êtes malade, vous? Putain, mais franchement... Vous êtes un templier. Ça explique tout.
very reason it was built. Sérieux? For you to understand, you must witness it. Comment ça? Qu'est-ce que vous racontez? Non, 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 moi j'ai fini, hein. Je rentre chez moi, je vais voir. Bisous, ma femme. Oh, ma pétale madre, là. I am the scourge of God, a prophet who chastises you. Since no one knows the remedy for your iniquity except me, you are wicked, but I am more wicked than you. Ah, il se la pète un peu trop, l'autre, là. Putain de merde. Juste pour que qu'il n'y ait plus de témoins, c'est ça? Espèce de bâtard. Si j'étais pas gros, je t'aurais déjà bouffé! Ah, mamma mia! Je crois que je vais pas très bien. Oh putain, ça fait bizarre! Ouh, je me sens agile d'un coup, putain de merde! Voilà, ça fait plaisir, voilà, je cours partout. Ah! Tiens, il y a un pilier. Ah bah oui, je vais inspecter le secteur. Une force invisible pousse la main d'Alex vers la toile. L'entraînant a regardé derrière. Oh, regardez, mais c'est une petite page qui était cachée. Voulez-vous prendre la petite page cachée? Alex a une impression de déjà vu en prenant la page dans ses mains. Voyez ce que l'esprit de Roberto est en train de l'aider. Voilà, le gros lard, il aura pas entièrement servi à rien. Oh, je suis de la bonne bouffe, ça, putain. Oh, vas-y. Oh, oui. Oh. Ouais, quoi? Ouais, bah vas-y, je suis en train de préparer la bouffe. Putain, et s'il se plaint, il a qu'à venir, hein, bosser un peu. Putain, je bosse pas aux acéliques, moi, connard. Alan tolère pas l'échec, voilà. Il est impératif de maintenir le sort instant-attaque. Allez, vas-y, ramène de la barbac, connard, il me manque, va chasser. Bon, bah en tout cas, c'est sous ce beau ciel étoilé qu'on va s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se trouvera prochainement pour d'autres aventures. Et en attendant, bah voilà, on verra s'il y aura Steve dans la prochaine vidéo. Au revoir les gens.